Allô les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir un Transformers qui m'est très cher. Transformers donc de la gamme Takara, je précise bien Takara et non Hasbro, donc sorti en 1990. Il s'agit donc de notre Powered Master Sonic Bomber. Voilà, premier membre du trio formant donc le Die Atlas. J'en profite également pour remercier de tout cœur mon ami Lionel Sierro, mon ami équatorien, donc Lionel Sierro, aka Astérian75, grâce à qui donc j'ai pu avoir quelques compléments d'informations, également quelques photos et surtout qui m'a permis de pouvoir compléter à 99% ce petit joyau, Lionel Sierro, donc un super ami, hein, inutile de vous le présenter, beaucoup le connaissent à la fois sur Facebook et sur ma chaîne. Voilà, et donc sa page Culte 3D, je mettrai le lien en description. Voilà, Lionel également donc fait des repros en résine de pièces pour Transformers, essentiellement donc Transformers japonais, mais également donc des pièces pour certains mechas. Voilà, si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa page, je vous la mettrai en description. Voilà, donc mon ami Lionel Sierro, le spécialiste en Transformers japonais. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself. Alors oui, je n'ai pas la boîte, néanmoins, donc mon ami Lionel, comme je vous le disais donc plus tôt précédemment, a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer donc quelques photos recto et verso donc de la boîte, photos que vous pouvez donc retrouver maintenant. Et notre spécialiste en Transformers japonais est même allé plus loin puisqu'il a réussi donc à me dénicher, pardon, une photo donc du prototype de notre Sonic Bomber que voici. Et nous allons pouvoir nous attarder à présent donc sur notre Sonic Bomber, premier membre du trio de la team Powered Masters, donc issu tiré plus précisément donc d'un mini-film animé japonais Transformers Zone. Voilà, un épisode de 30 minutes à part sorti en 90, donc qui se déroule après les événements de la série Transformers Victory. Si vous n'avez jamais vu de série Transformers japonais, je ne peux que vous conseiller d'y jeter un œil. Vous allez voir, c'est complètement l'opposé, c'est diamétralement même opposé à l'esprit donc Transformers US que nous connaissons également. Donc voilà, j'ai déjà eu l'occasion de parler donc des séries japonaises. Je ne vais pas revenir dessus. Donc ce qui nous intéresse, c'est notre petit père, donc Sonic Bomber, sorti au Japon en 90. Voilà, avec un mode jet. Sur lesquels donc on retrouve quelques inspirations du Blackbird SR-71. Voilà donc pour ce premier membre qui a pour particularité donc d'avoir trois modes. Mais nous allons voir ça donc un petit peu plus loin dans notre vidéo. Alors concernant donc les finitions, comme vous pouvez le constater, c'est du full plastique. Néanmoins, le plastique est dense, robuste, solide. En main, on a du poids, ça se sent. Le véhicule est quand même assez grand, hein, si on compare avec ma Mimine. Voilà, le véhicule est quand même assez balèze. Donc tout de noir vêtu, avec quelques petits stickers ça et là, notamment donc pour les vitres du cockpit, et puis également pour rehausser, rajouter quelques petits détails supplémentaires donc à notre avion. De très gros canons juste ici à l'avant, donc en orange, assez particulier, mais bon, c'est comme ça. Voilà ce que donne l'arrière. On aperçoit une petite mâchoire, puisque oui, il est combinable. L'avantage aussi avec ce trio, c'est qu'ils peuvent se combiner
entre eux, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot. Voilà ce qui est assez intéressant. Pour la petite anecdote, sachez également donc que on peut les regrouper également par deux. Voilà. Donc avoir deux modes pour un, deux modes pour l'autre et encore deux autres modes. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de très propre. Regardez, tout est bien calé, dissimulé. Bon, les plastiques ont quelque peu jauni avec les années. Mais globalement, ils s'en tirent bien. Petite chose aussi assez rigolote, c'est que nous n'avons pas de véritable roues. Celles-ci sont, voilà, sont moulées directement sur la structure, donc formant les jambes. Pour le reste, donc voilà pour notre petit donc Sonic Bomber, vraiment très sympa, je l'adore, j'aime beaucoup, et vous allez voir hein, que c'est très astucieux. Takara oblige, voilà, il nous offre quelques gimmicks bien sympas. Alors en termes d'accessoires, donc que dire? Bien, nous avons tout d'abord, voilà, son gun juste ici. Alors je vais essayer, hop, de faire une voilà une mise au point. Donc le flingue qui m'a été offert par Lionel. Donc il s'agit d'une reproduction en 3D résine. Voilà, comme je vous disais, hein, que vous pouvez retrouver donc sur sa boutique, sur sa page culte au pluriel 3D. Je vous mettrai le lien. Donc grâce à lui, et pas que, mais il m'a permis donc de compléter Sonic Bomber. J'ai les deux autres membres, hein, j'en ferai également donc les revues. Et ce petit flingue donc que l'on peut connecter juste ici grâce au port 5 mm. Voilà, hop, on met le pampan. Et voici, voilà, il y a un autre accessoire, mais je ne vous le montre pas tout de suite, sinon ce serait spoiler un petit peu donc cette vidéo. Donc voilà déjà pour l'accessoire principal. Alors, complet à 99,9%, pourquoi? Parce que tout simplement, à la base, ce petit Transformers donc est fourni avec un MicroMasters, une voiture de sport de couleur noire pour être plus précis, MicroMasters que je ne possède pas. Donc du coup, on utilisera pour cette vidéo, voilà, celui-ci. Et donc, les plus attentifs et ceux qui connaissent bien l'univers Transformers vont se dire tout de suite... S'il y a un MicroMasters, c'est qu'il y a un mode base. Et oui, justement, c'est ce qui fait également le charme de ce véhicule. C'est que nous avons donc le mode jet. Nous avons également un mode base. Et puis, donc, nous avons le mode robot. Sachant également donc, que tout peut fusionner, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot, avec ses deux autres potes. Donc, voilà, des heures et des heures de jeu en vue. Voilà, donc ce n'est pas le bon mini-mode. On se contentera de celui-ci en attendant. Voilà donc pour les présentations de notre mode Jet. Et hop là, merci Monsieur Focus. Et que diriez-vous à présent de passer directement donc au mode base? Alors pour cela, donc on met le petit MicroMaster de côté. On retire voilà, le pampan juste ici. Vous prenez cette partie-là. Vous venez... Voilà, la déloquer et la placer comme ceci. Quand c'est fait, vous faites une rotation de cette partie-là. Idem ici. Donc nous avons déjà une partie voilà, de la base arrière. Ensuite, vous allez voir, c'est très astucieux. Vous appuyez donc sur le petit poussoir qui se trouve juste au-dessus. Voilà. De notre Sonic Bomber et vous allez voir, hop, voilà, ça s'ouvre, ça se déclipse tout seul. Alors normalement, il y a un moteur, d'ailleurs vous allez peut-être l'entendre. Voilà, donc normalement cette partie-là devrait s'ouvrir au ralenti. Bon là, avec l'âge malheureusement, elle se déclipse tout simplement. Donc ensuite, vous prenez ces pièces-là, vous faites... une rotation voilà d'un quart de tour vers l'avant comme ceci. Vous placez ensuite ces éléments ainsi, vous rabattez ces parties là tac. Et dernier petit gadget, vous avez un poussoir juste ici, vous appuyez dessus et hop, voilà, ça a pour effet donc de déloquer et de mettre en place directement voilà la petite plateforme juste ici. Avec, rappelez-vous donc, la petite rampe supplémentaire qui me manquait et que mon ami donc Lionel a eu la gentillesse de me faire en repro résine. Voilà, du super boulot.
avec la peinture, vraiment tout est nickel. Voilà, de quoi compléter donc fièrement mon petit Sonic Bomber. Pour terminer, vous prenez donc le canon comme ceci. Vous avez juste ici donc un trou femelle de 5 mm. Vous venez le placer ici. Voilà, vous avez le choix, ici ou ici. Ensuite, vous prenez, voilà, notre petit MicroMaster, vous le placez sur sa rampe, ainsi, et voilà, on revient toujours donc au petit gadget initial, le poussoir qui se trouve juste ici, donc vous appuyez dessus, et ça va avoir comme effet donc de lever la plateforme orange, et ainsi donc de faire, voilà, d'éjecter notre petit MicroMaster. Alors j'appuie et on va voir ça tout de suite. Et voilà. Idem cette fois-ci de face. Et voilà le travail. Yes! Et vous pouvez également y placer votre ou vos différents MicroMasters. Voilà, en mode robot. Chacun donc sur une tourelle d'attaque de notre fameux mode base, à savoir donc que ce mode base est compatible également donc avec ces deux autres compagnons. Voilà, ça vous donne une idée du mode city qu'on peut avoir à la fin. Et le gros avantage de ce playset, c'est bien entendu hein, de pouvoir passer d'un mode à l'autre. Voilà. De façon ultra rapide, voilà, on relock bien toutes ces parties-là, on remet en place le système avant, voilà, on lock, tac, on remet ces parties-là en place comme ceci, tac, tac. Et tac, et voilà, en quelques secondes, on repasse donc du mode base au mode jet. Et ça, c'est vraiment fun. Voilà, donc après avoir parcouru le mode jet et le mode base, c'est en toute logique que nous terminerons avec le mode robot. Alors pour cela, nous allons tout d'abord venir retirer le pampan juste ici, le temps de régler et d'orienter ma camérouche. Ensuite, vous prenez donc ces parties-là qui vont former, hop, les jambes de notre Sonic Bomber. Vous les mettez comme ceci. Vous rentrez les petits canons comme ceci. Et vous faites une rotation de cette pièce-là comme ceci. Même chose pour la seconde jambe. Hop, on déclipse. On fait une rotation comme ceci. Hop, on réunit le tout. Notez au passage hein, le bruit des ratchets, voilà, qui inspire solidité et robustesse. On rentre les missiles. Voilà, on place la jambe. Une rotation de cette partie-là. Et nous avons déjà donc les jambes et les pieds deformés. Alors moi, je triche un petit peu. Je sors quand même ces pièces-là. Voilà, qui pour moi, donc, servent de talons et permettent un meilleur maintien donc du mode robot. Donc voilà pour le bas. Nous allons pouvoir passer donc à la partie supérieure juste ici. Et là, vous allez voir, c'est tout simple, un petit peu comme le procédé donc pour la transformation en mode base. Vous appuyez donc sur le petit poussoir juste ici, comme ceci. Tac. Voilà. Vous avez donc les bras qui viennent se déployer. Vous faites une rotation comme ceci, une autre rotation, hop là, comme ceci, et vous, voilà, faites basculer cette pièce-là pour avoir donc les mains qui apparaissent. Voilà, même étape ici, on baisse, on retourne, voilà, on écarte légèrement les pieds si vous le souhaitez. On peut commencer à mettre les bras dans l'alignement. On abaisse cette partie-là donc qui va dévoiler la tête, le visage et former en même temps donc voilà la partie du torse comme ceci. Hop, hop,
finir, on vient rajouter le pompon. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Sonic Bomber transformé. Yes! Et petit 360 de notre Sonic Bomber dans son mode bot, que dire? Pour un G1, je le trouve vraiment très réussi. Les finitions sont très soignées. On a un backpack qui, comme vous voyez, malgré le fait qu'il y ait deux rampes, le backpack n'est pas trop imposant. La carrure, les proportions du robot sont raisonnables. Voilà, donc un robot que je trouve vraiment très très joli. Les trois modes pour moi sont vraiment réussis. Voilà, du beau robot japonais Transformers comme je les aime. Et petit zoom sur le visage, là encore, totalement réussi et maîtrisé. Voilà, de toute beauté, avec tous les petits détails et les plastiques glossy, les plastiques brillants, voilà. Ça a vraiment de la gueule. Et comme je disais, le backpack est vraiment, voilà, est vraiment bien comprimé, bien plat. Il ne gêne en rien donc notre petit personnage. Alors concernant les articulations, hop là. Alors de par la transformation, donc système mécanique, hein, je rappelle, la tête est fixe malheureusement. Néanmoins, donc nous avons une rotation intégrale du bras. La pub Dove, on peut la faire. Regardez, voilà, le bras dans l'alignement, c'est pas mal. Pas d'articulation du coude, malheureusement, le point étant ici. Donc vous pourrez quand même, si vous le souhaitez, voilà, le bouger de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce sera à peu près tout. Au niveau des jambes, vous pouvez donc lui faire prendre la pose JCVD. Comme ceci, voyez, il ne bronche pas. Par contre, pas de grand écart latéral. Les jambes ont besoin de résistance pour le mode, enfin pour les trois modes, y compris pour le mode combiner. Donc du coup, voilà, on a une certaine rigidité des jambes, donc pas d'articulation. Voilà, au niveau des genoux, on a quand même, voilà, cette petite articulation. C'est pas grand chose, mais bon, voilà, ça permet quand même de faire quelque chose. Malheureusement, en termes de display, ça ne nous apportera pas plus. Puisque voilà, la stabilité, malheureusement, s'en retrouve fortement, fortement impactée. On va dire ça comme ça. Donc voilà un petit peu pour les articulations. Pour du Transformers des années 90, on va dire que voilà, c'est plutôt pas mal. Ça fait son taf et plutôt bien. Voilà donc notre petit Sonic Bomber. Chose intéressante, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc stocker l'arme, voilà, dans le dos, comme ceci, comme le font pas mal de TF actuels. Donc voilà, un petit plus non négligeable. Et pour finir, petite photo de famille en compagnie donc du deuxième membre de la team, à savoir Road Fire, qui malheureusement n'est pas complet et qui va m'empêcher, je pense, de faire la suite des vidéos, puisqu'il a son intérêt donc également en mode base, en mode robot, en mode tank et en mode combiner. Donc ça va être un petit peu compliqué, hein. Il me manque l'avant du véhicule et le flingue qui forme le canon. En tout cas, le voici quand même aux côtés donc de Road Fire. Et pour finir, petite photo de famille avec le troisième et dernier membre, mais pas le moindre, puisqu'il s'agit donc du Big Boss de la team, notre Die Atlas. Regardez-moi ce monstre que je dois donc à mon ami Lionel dans son intégralité. Merci mon Lionel. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime Sonic Bomber de la team Powered Master Die Atlas. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc pour les uns de découvrir cette petite pépite et pour les autres de la redécouvrir, pourquoi pas. N'hésitez pas, bien entendu, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce personnage. Je remercie à nouveau mon ami Lionel Siro, aka Asterian75. Je mettrai bien évidemment donc dans la description le lien de sa boutique de repro si vous êtes intéressé par des repros de Transformers ou de Mecha. Voilà, il a quelques petites choses vraiment très sympas à proposer.
Et moi, donc, il m'a permis de pouvoir le compléter à 100%. Ce n'est peut-être pas des pièces originales, ce ne sont peut-être pas des pièces originales, mais voilà, en attendant et avant de les trouver, eh bien, ça dépanne plutôt bien, je vous l'avoue. Voilà, c'est ainsi donc que s'achève cette revue. Je tenais donc à vous remercier, bien entendu, pour votre fidélité légendaire, voilà, votre soutien toujours indéfectible et également pour tous vos petits pouces bleus qui, vous savez, me font infiniment plaisir. Un petit coucou de bienvenue aux nouveaux abonnés, donc venus rejoindre notre famille et notre communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. J'espère que vous vous plairez parmi nous et merci pour votre confiance. Je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite un super week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. On se retrouve quant à nous semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, Ceci est un SOS, les mecs! Vraiment, on a besoin de vous! Ouais, il faut aider notre papy à compléter son Hotfire. Comme ça, il pourra vous faire la belle revue. Et puis les trois le robots en même temps. Et ce sera super classe, vous verrez. Alors, aidez notre papy à compléter son Hotfire. Ouais, n'hésitez pas à compter le papy, à contacter le papy si jamais vous auriez, par le plus grand des hasards, ces petits trésors, l'avant du tank et le canon, ça l'aiderait beaucoup. Allez, merci encore les mecs, tchuss! Moins chance. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.